Allô tout le monde, bienvenue chez I Am Here. Aujourd'hui, c'est John qui vous parle et on a Omori, un jeu qui est sorti à Noël, ça fait un petit moment. Je tiens à dire, par exemple, avant de commencer, que c'est un jeu qui... Il paraît que c'est triste. Il paraît que c'est des images, des thèmes abordés comme la dépression, le suicide, ces choses-là. Donc, si c'est des thèmes qui peuvent vous toucher plus, c'est pas là, ça va peut-être vous déprimer. Je sais pas à quoi m'attendre non plus, mais il paraît que c'est excellent comme jeu. Sans plus attendre, je découvre ça en même temps que vous. Et on commence. Le son a l'air un petit peu fort. Je suis désolé à l'avance. Inquiète-toi pas. Ça va être ok. C'est vrai ça. Peu importe ce qui se passe. Ça, par exemple. Promets-moi que tu. Que on va toujours être là l'un pour l'autre. C'est cute. Promets-moi. Déjà. Super ambiance. Dans l'espace blanc. Ami ça. Pas de Kleenex pour pouvoir essuyer tes, tes malheurs. Ouais, c'est ça. Je vais regarder mon petit sketchbook. Au petit dessin. J'adore. Ah, ça c'est mon portable. La marotte. Non, je vais regarder mon écran. Ouais, sûr. Et regarder l'écran. Merci. Chance. Stock, hein? Passer du temps dans l'espace blanc. Tout était ok. Mes amis, tout était ok. J'espère au moins deux choses à faire. Non, je voulais pas. Désolé, je voulais pas regarder. Non, j'ai pesé trop vite. Ah! Connecté. Oh, c'est pas trop de temps. Oh, c'est cute. Chaleur de ton laptop. Réchauffer les cuisses. Ça faisait du bien. D'une cuillère qui tombe. C'est tout prêt. Ouais, j'ai envie de regarder dans la. Dans l'ampoule. C'est noir à l'intérieur. Tabarouette. Rien voir. C'est-à-dire, si tu te regardes dans un poule en général, c'est quand même vraiment trop, trop blanc. Tu peux pas vraiment voir. Une porte blanche fait une petite ombre. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Rien faire. J'ai obtenu un couteau brillant. Ok. Hop, oh, j'ai pesé trop vite. J'ai pas le temps de lire. Je suis désolé. J'ai ouvert la porte, je crois. C'est sûr, c'est que j'adore l'ambiance à date. Salut Aubrey! Salut Omori! On espérait que tu viendrais bientôt. Ouais, j'ai envie de jouer aux cartes avec vous autres.
T'es proche de starter une nouvelle game? Ça me tente. Oh non, oups. Laisse faire. Oh man! Qu'est-ce qui se passe, Aubrey? T'as toutes fucking les cartes. J'suis en train de gagner aussi. Ouais, c'est juste un jeu. Oh, il s'appelle Héros, c'est le fun. D'accord avec lui. Mais quel? Pas besoin de t'être fâché. C'est un jeu. T'aimes pas ça, Héros. Tu fais juste ça parce que tu perdais. Ouais, si tu gagnes, on peut dire que t'as gagné. J'ai envie d'aller voir ça. Tentacule qui sort du sol. Et un. Ouais. Stuffed, c'est. Rempli. C'est dans le sens de. Genre un toutou. Et un film atterré. Des quatre gars qui marchent sur des rails de chemin de fer. Un vidéoclip des Backstreet Boys en forme de chat. Pourquoi est-ce que Kel est aussi méchant avec moi? Il a volé ton stuffed toy! Ah ben voyons. Il est tellement immature, pourquoi est-ce qu'il ferait quelque chose comme ça? Qu'est-ce que j'y fais? Ah les gars ils sont de même ça. Ah oui je peux vous trouver ton... rempli. Ça va me faire plaisir, tiens, je l'ai trouvé, il était dans le melon d'eau au coin de la pièce. Ah! Elle me l'a volé. Greg, c'est le droit, c'est à toi. Il va être fâché, hein. Voyons, Kel, pas besoin d'être fâché. Oh, Marie l'a trouvé. Suis chanceux, j'ai des vrais amis. Voyons donc. Alors, pourquoi tout le monde est bitch avec Kel? Savoir être meilleur que juste niaiser les autres, c'est vrai ça. C'est Aubrey qui a commencé. C'était elle qui riait de moi à cause de mon grain de beauté sur mon. Sur ton. Quoi? Aubrey. Ok. Ah, mais là on joue aux cartes? T'es prêt à jouer aux cartes? Photo de quelqu'un de familier, un petit sanctuaire. Est-ce que je veux faire des toasts? Ah ouais. Des toasts. Toasts. Petit oreiller en forme de tête de fille. Cadeau bien emballé. Alexeur. Balle de baseball avec patte de baseball. Une petite benne dans une assiette. Là, pourquoi personne me chicane quand je marche la carte? Man, Aubrey, elle a tout le temps ce qu'elle veut. Ah, moi aussi, je suis content, héros, que tout est rendu correct. Justin, parce qu'il s'aime bien. Marie et Basile nous ont invités à un pique-nique au parc de jeux. Ben oui, j'ai envie d'aller voir. On va voir Marie et Basile. Ah, tout le monde me suit? À droite. La belle MC. Snake. Ah, j'ai de l'argent de poche? Cool. 50 moules. Enfin, de l'air frais. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas sorti de votre souche? Faire du bien. Passe au bruit. Passe pas. T'as la tête trop enflée? Seulement si tu dis s'il vous plaît. Que la radonnière vive son mode là. Correct. Alors, c'est pas de bon pour rien ça. Voyons, dis merci Aubrey. Désolé, princesse. Ah, c'est en bas. C'est ma coachie. Amarelle, il y a des esprits qui font peur. Il y a moi qui joue au ballon avec Megaman. J'ai un capot avec une copie mou balancée. Paris, Basile! Salut des petits chums! Salut Aubry, salut tout le monde.
Comment est-ce que vous allez? Qui allait être encore méchant avec moi? Oh non, pas encore. Comment hostile. Je suis pas méchant. Au vrai qui se plaint. Ouais, c'est vrai ça. Elle vient de faire un point très convaincant. Maintenant, je sais plus qui croire. C'est pas grave. Crois-moi! Non, crois-moi! Arrêtez les deux. Parce que c'est tout le temps comme ça. Lève le menton, héros. Regarde-toi être tout responsable. C'est vrai ça. Pas fatigué, héros? J'aime vraiment ça à propos de toi. Haha. Ah, héros? Ah, allez, Marie. Pas maintenant. Coquine. Oh, héros, tu sais que je suis juste agacé. T'es tellement cute quand tu deviens gêné. Pendant qu'on vous attendait, boys, Basil et moi, on était en train de regarder cet album photo. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous? Clairement, après tout, on est les personnes dans les photos, n'est-ce pas? Basil, Basil, check ce. Bon, c'est ici. Oh, et Basil, prends une photo de moi. Désolé, Kel, je prends seulement des photos. Des personnes quand qui s'en doutent le moins. J'aime se prendre des photos des personnes qui agissent de manière naturelle quand ils sont pas en train d'être devant la caméra, hein, Basile? Ouais, chose spéciale. Au de tout le monde qui juste vivent leur propre vie. C'est les moments que je veux capturer. Et comme. Faut juste prétendre que t'es pas là. Haha, ouais. Je pense que tu peux le mettre de cette façon-là. Ouais, je peux faire ça. Si tu veux nous montrer ton album photo maintenant, Basile? Ah, ok. Mais c'est rien d'extraordinaire. Ah, Basile, arrête de douter de toi-même. Je suis tellement d'accord avec Aubrey. Je suis sûr que ça va être incroyable. T'as raison, Aubrey. Désolé. J'ai essayé de croire un peu plus en moi. C'est correct, Basile. Tu as le droit de douter un peu de nous de temps en temps. Ici. Comme ça, on peut tous regarder. C'est Omori pis. En fait pour lire. Marie qui apprend tout le monde à faire des couronnes de fleurs. Omori, quelle? Tiens, l'exemple de Marie. Tellement cute. Omori et Kel ont abandonné puis sont partis. Et moi, j'ai trouvé comment faire vraiment vite. Héros est en pyjama. Héros continue à faire sa couronne de fleurs. Ça lui prend un petit moment, mais il comprend. Faut que t'admires sa persistance. Ah bon, ouais. Tout le monde mange du melon d'eau. Tellement juteux. On brille un peu d'en face. Peut-être que quelqu'un devrait y dire. Quel qui boit une bouteille de lait. Son préféré. Je devrais pas être trop proche, sinon il va mouiller ma caméra. Marie et Héros qui prennent une photo de nous. Non, non, Marie, Héros prend une photo de nous. Tout le monde trouve que la couronne de fleurs me va vraiment bien. Héros qui se penche pour donner un bisou, qui a lieu de l'air d'être tanné. Ah, oh, l'amour entre frères. Cute. On a un pique-nique aujourd'hui. Marie voulait prendre une photo de tout le monde. C'est ce fromage. On va manger, tout le monde est tombé endormi, sauf Héros et Marie. Je m'endors moi-même un peu. Qu'elle a dit qu'il avait pris une photo de lui-même par accident, mais je le crois pas. Nos pieds en cercle. Tu devinais quel pied est à qui? Tes photos sont toutes charmantes, Basile. Tu sais vraiment comment capturer le moment. Merci. Je les ai pas tous pris, par exemple. Marie a volé ma caméra de temps en temps. C'est correct. Seulement de temps en temps. J'ai une idée. Et vous voulez tous venir chiller chez moi? Je viens de planter quelques petites pousses et je vais les montrer à tout le monde. Vraiment cute. Je te crois, Basile. Je les plante moi aussi.
Ouais, sûr, ça a l'air le fun. Allons-y. Non, moi je te suis, héros. C'est au sud du centre de jeu? Ah oh, ouais, c'est par là. Ah, oh, Marie, tu ne suis pas? Vous pouvez tout y aller, puis avoir du fun ensemble. Et si ça te tente pas, tu peux toujours arrêter pour un de mes pique-niques. Tu peux toujours avoir des rafraîchissements après. Tu peux même sauvegarder en utilisant mon panier de pique-nique. Mais ça, c'est gentil de me dire ça, Marie. Ah, oh, merci, Marie. T'en fais tellement pour nous. Bye, Marie. On t'en va bientôt. Bye, bye. Courez ensemble et avez du plaisir maintenant. Je sais pas comment le traduire. Vous savez où me trouver. Ah ouais, des bons petits bonbons avec plein de qualités nutritives. Ah, moi et mes amis, on se sent comme neuf. On n'a pas de roche de sucre. Elle, il va se bercer jusqu'à la lune, je crois. No boss zone. Ceux qui dérogent seront. Ah, j'ai bien pas ce que tu Rose est ton meilleur ami. Elle dit pas beaucoup, mais très intelligente. Comme quoi, j'ai des plans pour aujourd'hui, des gros plans. Je vais juste rester pour un moment. Tu vas voir qu'est-ce que je veux dire très bientôt. Tu vas taper le ballon. Parle avec lui. Salut, Van. Shirley parle tellement vite quand j'étais excité. Quand elle est. Pardon. Quand elle est. Enthousiaste. Ça devient vraiment difficile de la suivre, je crois. Ah, faut que je revienne? Je suis désolé. Je pensais pas que t'étais prête là, là. On va jouer à cache-cache? Plus on est nombreux, plus c'est le fun. Je veux encore jouer à cache-cache? Et tu sais comment c'est fini la dernière fois? Ouais, désolé, Berly. Je pense qu'on va passer notre tour. On va à la maison de Basile. Fait on va te rattraper plus tard. Hey, pas si vite! Vous essayez de m'éviter encore? Qu'est-ce qui se passe, vous deux? Est-ce que c'est mon visage? Est-ce que c'est mon apparence tough? Ah, boss, c'est pas. Boss, c'est quelqu'un, c'est pas un boss en particulier. Au moins, je suis pas si méchant que boss. C'est une bonne chose que je l'ai banné du centre de jeu après ce qui est arrivé la dernière fois. Je me demande qu'est-ce que ce moron fait présentement. Bon débarras. Fait que vous voulez jouer à cache-cache, Basile? Je peux m'adapter, peu importe. Y a pas besoin d'être pressé d'aller à ma maison. C'est moi qui décide? C'est Omori qui décide? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Omori, mon meilleur ami! Allez, tu sais comment jouer à cache-cache? Ouais. C'est ça que je pensais. Qu'est-ce qui t'arrête alors? Oh ouais, on joue! Je peux amener tout le monde, ça me veut. Est-ce que c'est moi qui trouve que le bouclophone s'est caché? Oh ouais, les larves, c'est ça les règles. On va avoir du fun en jouant une petite game de cache-cache. Et les pailles. Tout le monde tire une paille. Puis celui qui tire la courte paille, il faut qu'il trouve les autres. On va nos pailles. Bien. Qui est-ce qui va l'être? C'est moi. Classique. Classique. Mori aime pas ça être tout seul. Ça va être ok, Mori? Je peux prendre ta place si tu veux. Ça dérange pas. Basile, trop fine. Ah, faites pas les bébés, c'est pas si pire. Mori va être correct. Je pars jusque-là, puis j'allais fermer mes yeux, ça me va. J'ai compté jusqu'à 5, c'est quand même pas si pire pour vrai. Je suis vraiment désolé qu'elle. Ah, oh, tu peux me trouver, m'aider à trouver tout le monde? T'es prêt? Trois chums, Kiel, t'as remonté dans mon estime. C'est vrai que t'étais un peu sauvage, mais. Ah, oh, trop cute, Aubrey. Tu t'es caché en l'air du buisson. Caché, soit. Faites de l'exercice, on n'est pas en train de jouer. Héros par exemple.
Dominus et m'ont invité à faire leur routine d'exercice. Je crois. C'est vraiment très un exercice. Ah, oh, je suis tellement épuisé. Waouh. Tu sais vraiment pas comment dire non à qui que ce soit, hein, héros. Oh, héros, on a besoin d'aider à trouver tout le monde. Ah, oh, j'arrive. Y a une paille dans le sol. Est-ce que je la tire? Ouais. Salut, Berly! Ça faisait trop long, tellement longtemps, je commençais à suffoquer en dessous de ça. Je croyais qu'elle était pas pire, ta cachette. On dirait que t'as trouvé pas mal tout le monde aussi. Inattendu, mais j'aime ça. On va faire un dernier roll call. Non, mais. Reste du moins à trouver. Si, si. C'est l'hamster, ça. Ah, il manque une personne. Tout le monde est vilain physiquement avec elle. Vrai. Il manque un ami, il manque Basile. Basile, tu peux sortir maintenant? T'as déjà gagné? Allô, Basile. Hey, y a Basile. Basile, est-ce que ça va? T'es coincé? Ah, c'est le méchant boss, ça, c'est ça? C'est avec cette toi, espèce de bon à rien de malandrin. Laisse Basile partir. Ouais, qu'est-ce que Basile t'a fait? Basile, c'est notre ami. Fais-y pas mal. Ah, oh, c'est un gars, finalement. Let go of Basile. Laisse-le. Laisse Basile tranquille, boss. T'as rien fait de mal. Ha ha ha. Bande de tête stupide. Pensez que c'est à propos de Basile? Faites pas les imbéciles. Vous savez pourquoi est-ce que je suis là? Comment osez-vous ne pas m'inviter à jouer à cachette? Je suis la personne qui vous a montré comment jouer à cachette au début. Et vous jouez même pas bien. Comment est-ce que vous appelez ça la cachette sans qu'il y ait de violence physique? Non, pas la couronne de fleurs de Basile. Là, ça devient personnel, boss. Là, je suis déjà rendu attaché à Basile. C'est une zone maintenant juste pour boss. Et vous êtes pas invité. Oh! Wow. Maurice, ça va vraiment pas bien ta vie. Hein. Comme ça? Ah, c'est pour redonner des larmes. On va attaquer le boss d'abord. Honnêtement, vous m'avez rendu fâché. C'est le moment pour mon attaque spéciale. Coup de corps. Mori n'est pas mort. Comment est-ce que t'oses encore bouger? Avec le genou? T'achèves? Je vais te fuir. Okay. Pas de snack, j'ai un jouet? Je suis censé fuir, mais je veux pas fuir pour avoir de mes amis. Ok, c'est bon. Ouais, l'équipe a été victorieuse. 32 XP, 2 moules. Les amis sont-ils tous blessés? Pas juste. Oh, joueur. Ah, c'est bon ça. Vas-y, est-ce que ça va?
Ah, t'as besoin de t'occuper de moi. Si, vas-y. Si t'es arrivé quelque chose à ta couronne de fleurs, je pense que j'aurais été physiquement violent avec le jeu. C'est ça. Ah, trop fine, Basile. Est-ce que ça te fait sentir mieux? Basile, est-ce que t'es correct avec ça? Bah, s'il n'y a pas de chum, c'est une bonne chose que Homme aurait tenu son bout. Sinon, on aurait tout été toasté. Correct, je fais confiance. Pendant que vous vous battez toutes, essayez vraiment que je me fasse pas blesser. C'est quand même fin, boss. Fais pas ton gêné, c'est correct. C'est un paquet de ballonnés. Expression pour dire que c'est de la bouche. Pas besoin d'entendre tous ces mensonges. C'est mon spot, personne n'est le bienvenu là. Bon. Alors, on n'a pas un problème tant qu'il reste comme ça, c'est vrai. Et maintenant, on peut aller à la maison de Basile. C'est vrai. On s'en va, boss. Mais pas de problème, hein. Parce que je suis prête, allons-y. Bah, en tout cas, c'était super intéressant pour vrai. Un peu tranquille, comme début. Tranquillement, on place le personnage, tout ça. Super cute. Merci à vous tous d'avoir été là. On continuera la prochaine fois. On va aller voir la maison de Basile, en vrai. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe, en vrai, dans le jeu. C'était vraiment l'introduction, je pense. J'aime beaucoup. Mais en tout cas, je vous dis un gros merci. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au plaisir. À la prochaine. Bye.